Coucou, salut, salut, bonjour. Hello, hello everybody. How are you? How are you today? How are you doing? Comment vous allez? Comment vous vous portez? Me, I'm so happy now. Just this is Sunday. Et j'adore ça. J'aime ça. Si je ne vous donne pas un message, qui va vous donner encore un autre message? On vit de l'espoir. Si on ne vit pas de l'espoir, on vit de quoi? Non, sincèrement, si on ne vit pas de l'espoir, on vit de quoi? Maman, je regarde ma génération, tout le désordre que, non, que j'ai fait dans le passé, tous les trucs que, non, que j'ai fait, bons, mauvais. Et que je me rends compte que même avec des personnes avec lesquelles je les ai faites, ces personnes-là ne vivent plus. Je comprends seulement les nouvelles que telle est morte. Et même celui-là aussi est morte. Parfois, on se dit, c'est là nous qui sommes à l'étranger. Surtout moi qui est aux États-Unis, hein, parce que moi je suis avec personne ici, je me dis seulement que, oh mon Dieu, toutes ces personnes-là, le quartier est en train de mourir. Même le jeune là que j'avais laissé là-bas dans le quartier, la maman, il est mort aussi, mais qui est encore là-bas? On compte encore sur qui là-bas? Est-ce qu'on a même encore même les amis là-bas au pays? On n'a plus personne. Mais nous, on a la grâce, on est toujours là. On est en train de voir les gens mourir. Même ceux-là que non, que ce n'était pas leur jour. Je ne sais pas si c'était leur jour parce que Dieu n'a jamais eu dans sa vie, je ne sais pas où, dans sa création ou dans sa quoi, il n'a jamais eu un projet de malheur pour nos vies. Jamais. Il n'a jamais eu un projet de malheur. Les conditions de mort en ce moment, la sorcellerie, les accidents, les noyades, il y a tellement de maladies, il y a tellement de choses. Mais nous, on est toujours là. Dieu nous a fait grâce. On a encore vu le dimanche aujourd'hui, tandis que non, d'autres ne l'ont pas vu. Que Dieu vous bénisse, mes frères. Que Dieu vous bénisse, mes sœurs. Vous qui m'insultez, vous qui me jugez, vous qui dites de n'importe quoi de moi, que Dieu vous pardonne et que Dieu me pardonne aussi. Parce que moi aussi, bon, il peut arriver à quelquefois dans la vie de juger ou bien de participer à quelques petites paroles contre une personne, parfois quand on n'est pas fâché, parfois juste par plaisir, parfois juste pour, voilà, le fait de parler. Donc on a toujours besoin de demander à Dieu de nous pardonner. Parce que nul n'est parfait. Nul n'est parfait, même pas moi. Je ne suis pas parfait. Jamais. Mes conditions de vie, tout ce qui s'y passe, moi je prends ça simplement, je dis que bon, c'est ce qui devait arriver dans ma vie, hein. Et rien n'est au hasard dans ce monde, très cher. Rien n'est au hasard. Tout ce qui se passe, ça devait se passer. Tout ce qui ne devait pas se passer, c'est comme ça que ça devait être. Vous voulez comprendre comment ou bien qu'on vous explique comment? Laissez à chacun sur sa route. Autant pour moi. Au fait, je voulais juste vous souhaiter un très bon dimanche. Rendez grâce à Dieu, ne l'oubliez pas. Rendez grâce à Dieu en tout temps. Je ne suis pas pasteur. Rendez grâce à Dieu. Même moi-même, je rends grâce à Dieu. Parfois, j'oublie même de prier, mais je vous arrive que parfois, je me freine. Et après, je commence à dire que Seigneur Jésus, je commence à prier seulement. Je commence seulement. Je commence seulement. Bref, passez un très bon dimanche. Et un très bon début de semaine par anticipation. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse vos familles, que Dieu garde vos familles. Que si vous avez des blocages dans votre vie, que cela puisse se débloquer au nom de Jésus. Si vous avez des projets de voyage, que cela soit débloqué au nom de Jésus. Si vous avez des problèmes dans votre vie et que vous regardez à gauche, vous regardez à droite, vous ne trouvez pas de solution, laissez-moi vous dire que non, ceci a été débloqué maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Nous les terrassons et nous les piétinons, ces démons-là. Bon dimanche, que Dieu vous garde, ayez du succès dans votre vie et n'abandonnez jamais. Parce qu'au moment de l'abandon, c'est là où ce que les miracles commencent à se manifester dans nos vies. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.